Écoutez, Pierre Ménès nuit à la santé mentale, a écrit dans une tribune au Vitriol sur son site le SAFE, syndicat des arbitres du football d'élite. Continuez à lui laisser le micro nuit gravement à l'image du diffuseur, donnons-lui un sifflet, il nous fera rire pour une fois, poursuit encore le SAFE au sujet du consultant vedette de Canal dans un édito intitulé « Moi, moche et méchant », épisode 29 ce week-end, c'est la 29e journée de L1 ce week-end. De ces doctes et savantes analyses bien pesées et construites, on retiendra la dernière en date, l'arbitre est un footballeur raté, peut-on encore lire sur le site du SAFE. Tellement plus facile que de se remettre en question et d'améliorer les relations avec les joueurs. Ces gens sont pathétiques, pourquoi tous les clubs s'en plaignent, a répliqué Pierre Ménès sur Twitter. Connu pour son franc-parler et sa forte personnalité, le chroniqueur vedette du Canal Football Club s'est déjà attiré les foudres de joueurs, comme Patrice Evra qu'il avait traité de « clochard » ou encore de l'entraîneur de Lille à l'époque, René Girard, qu'il avait cité comme « le gros de Canal ». Le consultant est revenu à l'antenne depuis moins d'un an après 7 mois d'absence et des grèves de foie et de reins.